Bon, les gars, bienvenue dans l'arène. Vous croyez que la littérature c'est un truc de fragile? Vous voyez les écrivains comme des brindilles de 38 kilos tirées d'une boîte de Panzani? Vous doutez de leur capacité à taper très fort et à faire très mal? Repentez-vous, pauvre fou, aujourd'hui je vous prouve le contraire. Vous l'ignorez peut-être, mais l'histoire littéraire est faite de duels sans merci entre des adversaires acharnés, de punchlines incendiaires et de trahisons dignes d'une réforme des retraites macronienne, alors hop, il est temps de rendre hommage à ce glorieux héritage. Ordali, c'est le nom de ce nouveau format où votre hussard favori, c'est moi, reviendra sur des clashs littéraires d'anthologie qui ont parfois eu de grosses conséquences sur leurs protagonistes. Le déluge de scuds va être incessant. Les gars, j'espère que vous avez bossé les esquives et les fentes latérales, sinon vous allez probablement prendre une balle perdue, vous êtes prévenus. Et pour ce premier épisode, laissez-moi vous présenter un peu le casting. À ma gauche, 1m53 de bassesse morale et de turpitude, l'homme qui vous donne la nausée et vous laisse les mains sales, flanqué de son slip rouge à l'effigie de Staline, de son strabisme plus divergent que la sexualité de son castor de poche et de ses armes de prédilection que sont la faucille et le marteau plaqué hors de Saint-Germain-des-Prés, je vous demande d'accueillir notre premier challenger, Jean-Paul Sartre. Et tout de suite devant lui, dressé sur son 1m66, le regard droit et fier, la cigarette au coin du bec, ce français un peu étranger qui nous vient tout droit d'Oran et dont la chute, ce soir, n'est pas inéluctable. Le tenant du titre de BG ultime de la littérature, qui va tâcher d'envoyer ses grosses rafales de calottes dans le strabisme du crapaud pustuleux qu'il a défié. Vous le reconnaissez déjà avec son short moulant de mec qui n'a pas séché le jour des jambes et qui s'apprête à faire courir les rouquins. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Albert Camus. Ce soir, mesdames et messieurs, nous allons revivre le match d'anthologie qui opposa le plus laid des philosophes au plus beau des écrivains et le plus cacatesque des communistes au plus révolté des intellectuels dans une avalanche de mauvaise foi et de coups bas dignes de l'infâme punaise stalinienne qui était Jean-Paul Sartre, le maoïste collaborateur et fascisant cofondateur de Libération. Ça va donc être du lourd, je vous conseille d'attacher vos ceintures et de vous abonner FISA en n'oubliant pas d'activer la cloche, de hurler votre soutien dans les commentaires et de passer sur les réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran parce que là, on y va. Pourquoi Sartre et Camus se détestaient-ils? Comment se sont-ils écharpés la fif et en quoi est-ce rigolo d'en parler à présent? Ce qu'on voit maintenant. Je demande une Ordali par combat. Fight! Et retiens tes lames parce que je vais t'assommer. Bon alors je vais pas vous refaire ici ce que j'ai déjà fait dans deux autres vidéos, à savoir vous présenter Sartre et Camus, et pour bien resituer les choses, on va se contenter d'une très brève présentation de chacun. Sartre, c'est un bourgeois, fils de bonne famille et normalien, qui s'est fait connaître dans les années 1930 pour ses romans plutôt nazes, ses pièces de théâtre level cours de français du bac, et ses essais philosophiques tellement à côté de la plaque qu'un enfant de 12 ans sous l'exomile pourrait les débunker tout en continuant à scroller TikTok. Bien sûr, comme cet affligeant CV n'était pas encore assez gratiné à son goût, notre argonien du 5e arrondissement a aussi décidé d'investir tout son potentiel de nuisance dans les combats politiques les plus foireux du 20e siècle. Turlute aux chemises noires, soutien à Staline, engagement en faveur du FLN, returlute aux maoïstes, fondation de Libérafiac et returlute aux étudiants de mai 68, n'en jetez plus, le casier du gars est tellement accablant qu'il doit lui-même se coltiner un casier. C'est simple, si Sartre était encore de ce monde, il faudrait le juger à la cour pénale de La Haye, puis juger le juge du juge, puis brûler le tribunal, puis vitrifier les Pays-Bas pour éliminer toute chance de voir un jour ressurgir les répugnants bubons de gauchisme dont le gonze nappait tout ce qu'il approchait. Et des manques de respect, mais... Et face à ce colossal usurpateur littéraire, nous avons le lourd Albert Camus, le BG timide qui rêvait d'être footballeur avant de se reconvertir dans la littérature street crédible, de sortir L'étranger, le mythe de Sisyphe, la chute et l'homme révolté pour coucher le panache littéraire en 3 rounds, tout en n'oubliant pas, petit 1, de trousser à prépuce rabattu toutes les nanas 8 sur 10 pas trop farouches qui se présentaient sur son chemin, et petit 2, de prendre fait et cause pour les idéaux qui méritaient d'être défendus et contre les coupables qui méritaient d'être châtiés. C'est-à-dire que là, en fait, je vous prépare un match entre le truc le plus abominablement vomitif que la littérature mondiale n'a jamais dégopillé sur les panards du respect et l'espèce de shérif en Stetson plus botte de croco que le bon sens lui a collé au fiac pour le ramener pieds et poings liés devant le grand tribunal sévère de la postérité. Ouais, à ce niveau, est-ce que c'est encore un combat de boxe? Est-ce que c'est une genre de chasse à l'homme tiré d'un western de Sergio Leone? On sait plus, ça va être épique, on est parti, premier round. Alors, commençons par le commencement. Sartre et Camus, où se sont-ils connus? Eh ben, c'est très simple, à Paris, en 1943, sous l'occupation. À cette époque, le jeune Camus, il a tout juste 30 ans, vient de triompher avec son formidable roman L'étranger, et il est donc tout à fait normal qu'il s'en aille rencontrer le un peu moins jeune Sartre, 38 ans à l'époque des faits, qui lui, règne déjà sur le petit monde des lettres de l'occupation, entre deux rasades d'eau de Vichy et trois propos outranciers sur la liberté en fait Grao. Et là, contre toute attente, Sartre et Camus, bah... ils s'entendent bien. Quoi? Répète! Bah ouais, ils s'entendent bien. Sartre reconnaît le talent du gonze et profite volontiers des appuis de Camus dans la résistance pour écrire, fin 1944, dans le journal Combat, là où Camus avait ses entrées et qui s'était auparavant illustré en critiquant l'occupant allemand dans la plus grande clandestinité. Donc en gros, c'était du gagnant-gagnant. Camus permet à Sartre de découvrir les milieux underground parisiens et de s'inventer une légende de résistant de la dernière heure complètement fake, parce qu'en 44, la France est déjà libérée, tandis que Sartre ouvre à Camus son carnet d'adresses et les portes de son salon afin d'encourager et d'accélérer sa carrière. Bon alors jusque-là, pourquoi pas? Seulement, dès le début, il y a deux petits problèmes entre les deux hommes.
hommes. Le premier, c'est Simone de Beauvoir, la meuf de Sartre, dont le surnom officiel, c'est pas des lol, est le castor. Non, je ne te respecte pas. Et qui ne peut pas supporter Camus. Alors bien sûr, elle se garde bien de dire tout haut ce qu'elle pense, mais cette espèce de mégère aux portes de l'hystérie, agrégée de philosophie et doctorante en sophisme, elle a beaucoup de mal à supporter qu'un apprenti footballeur tiré de l'échoppe à kebab géante que sont, à ses yeux, les départements algériens, vienne fricoter dans son petit entre-soi parisiano-centré. Franchement, entre cette frigide proto-ménopausée et le déglingueur 11 sur 10 des Batignolles, le différentiel de sexapile était tellement écrasant que ça pouvait pas mieux se goupiller. Il y a vraiment des gens qui sont pas faits pour s'entendre. Alors ça, c'est le premier point qui est plutôt anecdotique au fond. Mais la vraie différence morale entre nos deux gus, c'est que Sartre, lui, il soutient à fond les cocos, tandis que Camus, qui a vu les magouilles en Algérie, il sait bien qu'il faut s'en méfier comme de la peste. Et dans les faits, ça fait que Camus, il applaudit pas comme un autiste dès que le politburo du Kremlin éructe une bêtise, à la différence de Sartre. Et là, on va le voir, toutes leurs différences vont jaillir petit à petit. Bon, alors après l'échauffement, parlons des grosses embrouilles entre Sartre et Camus. Les choses sérieuses commencent en 1947 avec la publication d'un livre très remarqué à l'époque, Le Zéro et l'Infini, d'Arthur Koestler. Ce gonze, c'était un libre penseur qui avait fait de la cabane en Espagne sous Franco et en France sous Pétoche, et qui avait assisté, dans les années 1930, au grand procès stalinien et aux purges des cocos. Et partant de là, dans son roman, Koestler met en scène un ancien haut fonctionnaire soviétique déchu qui se fait interroger, entre guillemets, avant son procès. Vous le voyez bien le potentiel explosif de ce texte à une époque où le PCF fait 20% à chaque élection et prend directement ses ordres à Moscou. C'est parce que les mecs savent qu'ils vont rien faire, ils sabotent. Ce mec-là, il a la culture de la défaite, hein, c'est tout. Hein. Et bah, bingo. Quand le bouquin sort, Camus en prend la défense en annonçant que ce livre a le courage de dénoncer les atrocités du communisme et de taper sur les pop-off. Oh, tout de suite des insinuations. Mais chez Sartre, bah, c'est pas la même limonade. Lui, il se pose comme le chantre du communisme, le défenseur absolu de l'orthodoxie marxiste. Donc dans sa caboche fissurée de détraqué pathologique, Karl Marx est Dieu et Staline est son prophète, donc il s'agit de pas remettre en cause les actes de tonton moustache. En bon petit Savonarole, il va donc s'appliquer à faire brûler, métaphoriquement, hein, ce livre, et à empêcher sa promotion, tout en faisant en sorte que le Parti communiste français achète un maximum des 50 000 exemplaires du bouquin pour les détruire et empêcher qu'il ne soit lu. Ouais ouais, hein. Jusque-là c'est allé, mes amis. Jusque-là, comme quoi, la fameuse liberté d'expression des gauchistes, ça date pas d'hier, hein. Mais alors, me demanderez-vous, comment réagit Camus? Eh ben, vous vous en doutez, il est pas super content, et il le fait savoir à Sartre en privé, notamment en claquant la porte un soir lors d'un repas commun chez Boris Vian. Et ça, déjà, ça met un sacré coup de couteau dans l'amitié qui lie le binoclard de la rue d'Ulm à celui qu'il appelle, avec un mélange d'affection et de mépris, le brigand d'Alger. Et à partir de là, la bonne entente entre les deux compères se fissure, et il suffira d'un rien, d'un tout petit rien pour que tout explose publiquement. Ce sera notre troisième round. 4 ans après ces petits différends sur la liberté d'expression, en 1951 donc, Chad Camus publie L'Homme révolté. Je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme. Mais enfin, ça va! Un magnifique essai dans lequel il interroge le concept de la révolte. Et j'aime autant vous le dire, quand Camus écrit sur un sujet aussi déter, c'est pas pour te sortir des poncifs d'ado fragile qui glapit de sa voix stridente en cours de mutation que « La vie c'est trop injuste !» et que « Le capitalisme c'est le mal !» On est bien d'accord. Parce que pour Camus, la révolte est un moyen de donner du sens à la vie, de refuser l'inique et de se soulever contre toutes les injustices. Il dit « Je me révolte, donc nous sommes. » Et il ajoute « Plutôt mourir debout que de vivre à genoux. » C'est du lourd, non ? Je préfère qu'on me tue avec mon honneur, qu'on me déshabille avec mon déshonneur. Et bien sûr, s'il taloche les totalitarismes allemands et italiens, il ne se prive pas de pointer aussi du doigt les carabistouilles de la team Goulag, qui exploitent à cette époque des millions de prisonniers politiques pour leur faire extraire de l'or dans la Colima, aux confins de la Sibérie, par moins 40 degrés. Et ça, pour Sartre, le collabo 2.0, c'est inacceptable. Le type en est rendu à un tel niveau de dogmatisme marxiste qu'il ne peut pas entendre la moindre critique à l'encontre de sa copine Staline. Tout ce qui relève de la pensée critique et de la liberté d'expression, qu'il défend par devant mais entrave par derrière, lui concasse ses pauvres petites gonades de tard. Et comme c'est un petit gamin gâté de bonne famille, il doit se faire respecter et taper son petit caprice pour faire taire le vilain Pabot qui a osé le contredire. Mais souvenez-vous d'un truc, Sartre, il fait 1m53, il a un strabisme de catégorie et une constitution physique qui tient plus du furet galeux que de Schwarzy dans Predator. Donc il faut pas s'attendre à la moindre démarche respectable de sa part. Le gars, il a séché tous les cours de sport entre la petite section et le service militaire, il a sucé les fells Grao et il rêve d'un régime autoritaire après un grand soir qui n'arrivera jamais, donc n'allez surtout pas vous imaginer qu'il a une once de décence et qu'il va répugner à flinguer dans le dos un de ses meilleurs amis. Alors comment il va s'y prendre? Eh ben il va demander à Francis Janson, l'un des petits toutous bien dociles qu'il a sous la main et qu'il recrute à l'envi dans les promotions de micro-pénis que démoule chaque année la section philosophie de l'ENS d'Ulm dans la cuvette de l'intelligence, d'attaquer le bouquin de Camus à Boulet Rouge dans un article pour L'Étang Moderne, l'immonde fanzine communiste que Sartre a fondé en 45 et qu'il publie grâce à la complicité de Gallimard. Donc Francis Janson, qui est à l'intelligence ce qu'un papier peint est à la Joconde, il s'exécute, hélas.
pas littéralement, et il rédige un article intitulé « Albert Camus et l'âme révoltée », dans lequel, en gros, faute de pouvoir déboîter le livre de Camus que son cerveau arriéré l'empêche de comprendre, il l'accuse d'être soutenu par la droite et l'extrême droite, en le dépeignant comme un dangereux contre-révolutionnaire défenseur du parti bourgeois et ennemi de tous les opprimés de la terre, ce qui, quand on connaît le parcours de Camus, est quand même la critique la plus éclatée au sol qu'on puisse lui formuler. Et là, pour Camus, c'en est trop. Le petit roquet d'un petit roquet vient de lui déféquer sur ses godasses Gucci à 3000 balles, ce coup-ci, y en a marre, place à la riposte. Ça va bien se passer, hein? Faut quand même pas me prendre pour ce que je ne suis pas. Il rédige une longue lettre adressée à Monsieur le directeur de la revue pour bien montrer à Sartre qu'il ne le respecte tellement pas qu'il va même pas citer son blase, et il l'a fait publier en réponse dans Les Temps Modernes. Voici ce qu'il dit, savourez le niveau de sel du pélo. Monsieur le directeur, je prends prétexte de l'article que votre revue m'a consacré pour soumettre quelques remarques touchant l'attitude dont cet article témoigne. Cette attitude m'intéresse en effet plus que l'article lui-même, dont la faiblesse m'a surpris. Mon premier effort sera de montrer quelle peut être l'intention réelle de votre collaborateur lorsqu'il pratique l'omission, investit la thèse du livre et fabrique à son auteur une imaginaire biographie. Bon alors déjà, rien qu'au ton du préambule, tu sens que la grenouille germanopratine va se manger 11 000 joules de rage camusienne dans ses chicots déconstruits, et c'est effectivement ce qui se produit. Tout l'article de Camus, qui est assez long, on pourrait le résumer par la formule suivante. Ton article est naze, plus t'as pas compris le bouquin, plus bien ton homme de paille, plus je viens à Colmar, on va te trouver du travail avec mes amis, wouh 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 wouh. Et là, l'impact chimique de cette détonation de style flamboyant provoque une ouverture inopinée des sphincters sartriens. En une seconde, le Gus se retrouve noyé sous sa propre chiasse. Il patauge dans son caca. Dévoilé au grand jour tel qu'il est, morveux et minable, après avoir tenté de tailler son pote en soum-soum et s'être fait griller comme la dernière des merguez. Du coup, le mec panique. Il panique. Il essaye désespérément de damage control le truc en publiant une réponse qui commence par cet aveu totalement inconscient et foireux. Mon cher Camus, beaucoup de choses nous rapprochaient, peu nous séparaient. Mais ce peu était encore trop. L'amitié, elle aussi, tend à devenir totalitaire. Alors là, ce qui est incroyable, c'est que le gars tombe les masques et plutôt que d'essayer de cacher un peu qu'il est une crotte liquide, il assume à 2000% qu'il est bel et bien une charogne puante qui se paluche en songeant au goulag et en attaquant bille en tête toute personne qui ne penserait pas comme lui. Dans l'article de Sartre, on sent tout le seum d'un mec qui est en train de se faire défalquer la rondelle et qui, en plus, ne peut tolérer ni la liberté d'esprit de ceux qui refusent son autorité, ni la liberté tout court, parce que comme tous les petits nabos trahis par leur propre corps, il a besoin de fantasmer sur un régime fort et carcéral pour oublier qu'il n'est qu'une aberration dysgénique. Bref, c'est pitoyable, le plus gros contre son camp de toute la littérature, on applaudit la perf. À partir de cet article, Sartre a perdu toute dignité et il est obligé de faire brailler tous ses petits roquets contre Camus pour couvrir les bruits de paix foireux qu'il lâche à chaque fois qu'il entend parler de lui. Du coup, Camus se fait conspuer à l'envi par les petites tapineuses de Sartre, mais lui, il s'en fout pas mal parce qu'il a plus urgent à gérer, la guerre d'Algérie. Bon alors comme vous le savez, Camus est né là-bas et c'est aussi là-bas que vit sa mère. Donc quand il voit les terreaux du FLN faire tout péter au nom de leur lutte pour l'indépendance, il a pas trop le temps de faire dans le détail et il déclare « En ce moment, on lance des bombes dans les tramways d'Alger. Ma mère peut se trouver dans un de ces tramways. Si c'est cela la justice, je préfère ma mère. » Bon alors sur ce point, je pense que tout le monde sera d'accord. Dire au monde que la guerre c'est pas une bonne chose et que mettre sa maman à l'abri c'est une bonne idée, on peut pas être contre, non? Si? Comment ça si? Mais il a dit quoi Sartre sur la guerre d'Algérie? Il faut tuer, abattre un Européen, c'est faire d'une pierre deux coups, supprimer en même temps un oppresseur et un opprimé, reste un homme mort et un homme libre. Purée, mais de là, on touche au grand guignolesque. Chad Camus a tellement tapé dur sur la caboche de l'apter sartrien que le gonce ne connaît même plus sa droite et sa gauche. Il est tellement incapable de penser que le type, qui est plus européen que le Parlement de Strasbourg, hein, il va jusqu'à vous raconter qu'il faut l'abattre lui pour sauver la cause du FLN. Est-ce un appel à l'aide des perdus pour qu'on l'achève avant qu'il raconte d'autres bêtises? Je pense que oui. Alors sifflons la fin du match. Camus, vainqueur par KO, balayez-moi ce qui reste de Sartre et jetez-le dans le caniveau discretos. On en a fini avec lui. Nous étions brouillés, lui et moi. Une brouille, ce n'est rien. Tout juste une autre manière de vivre ensemble et sans se perdre de vue dans le petit monde étroit qui nous est donné. Cela ne m'empêchait pas de penser à lui, sentir son regard sur la page du livre, sur le journal qu'il lisait, et de me dire... Qu'en dit-il? Qu'en dit-il en ce moment? Lorsque Camus se fait ratiboiser la fif dans un accident de voiture en 1960, c'est par ces mots que Sartre lui rend hommage, reconnaissant enfin toute la pulsion de bromance qu'il entretenait à l'endroit de ce fougueux cow-boy qui lui avait limé la trogne jusqu'au syndrome de Stockholm. Alors comme lui, reconnaissez la supériorité de Camus, prenez l'étranger, la chute ou l'homme révolté en description, et allez étoffer votre culture, ce ne sera pas perdu. Et pour ceux qui veulent en apprendre plus sur la vie incroyable de Camus, je vous remets le lien de l'épisode sur sa pomme dans le coin de l'écran. Foncez, c'est de la balle. Voilà, fin de la première heure d'Ali, victoire par KO pour Camus. J'espère que ce nouveau format vous aura plus et qu'il vous aura convaincu de vous abonner et de passer sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à faire un petit tour sur le Tipeee, ça aiderait pas mal pour remettre le ring en état après ce match d'anthologie. Sur ce, moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là portez-vous bien, justice est faite, rompez les gars.